et le pasteur Aurélie, le pasteur général, sur l'internet de la voix de la délivrance, pour la confiance qu'il y place dans moi ce matin, pour y apporter ce témoignage-là. Monsieur Jésus, pas sûr, mon frère, personne ne va me payer moi pour venir aujourd'hui. Personne, aucune dénomination, ne va pas pour faire publicité pour quelqu'un ce matin. Mais c'est pour la gloire de Dieu seulement qui nous cause ce matin. Alléluia. Et nous pouvons baisser la tête ce matin, nous pourrons nous donner grâce pour ce parole, pour ce témoignage-là, dans le nom de Jésus-Christ tout-puissant de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Papa, mais je te remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louez-toi, Seigneur, pour ta parole qui puissante, pour ta parole qui est dans l'esprit, Seigneur. Louez-toi pour ta parole qui est dans la puissance de guérison dans la vie de Babiken. Louez-toi, Seigneur, pour ta parole de salut, Seigneur, qui est dans la puissance pour guérir nous, guérir notre âme, Seigneur, mon Dieu. Et louez-toi, Seigneur, qu'est-ce que ta parole nous sortit dans ma bouche par le Saint-Esprit de Dieu, qui me ressuscite moi d'entre les morts, afin que ce matin, ma vie témoigne la grâce qui Dieu qui fait à moi de la vie, afin qu'il partit de l'écho de la vie qui mort ce matin, il ressuscite en Jésus-Christ, tout de la gloire, seulement, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous sommes ce témoignage-là par le sang de Jésus. Alléluia. Scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs, si vous là ce matin, moi témoin, moi rescapé de la vallée de l'ombre de la mort. On va prier pour me dire que je me passe des maladies qui condamnent moi. Et me faire de me tâche devant Dieu. Si vous passez le témoignage sans qu'il me tire au peuple de Dieu. La nécessité qui vous vise un témoin pour Dieu. Amen. Alléluia. N'a pas reste tranquille, peuple de Dieu. Quand Dieu vient faire un miracle dans la vie, dans vous la vie aussi, n'a pas reste tranquille. Amen. Alléluia. Et vous capable dire à moi, quelqu'un est capable dire à moi, c'est, mais il n'est pas nécessaire qui me témoigne. Alléluia. Parce qu'il y a un jour, il est capable de dire, alléluia, qui n'est pas nécessaire. Amen. Alléluia. Il y a un jour, il est capable de dire, amen. Qui, quand tu veux pour tout, lui-même, il peut trouver la gloire de Dieu. Mais il y a du monde dans le monde, le peuple de Dieu, qui ne connaît pas. Mais nous, nous visons Dieu. Alléluia. Nous, nous visons Dieu qui Jésus qui fait de nous la vie. Amen. Et c'est la volonté de Dieu de sa parole. Et tout ce qui veut pour Jésus ce matin, tout ce qui veut pour Jésus ce matin, le témoignage, il base ce qui veut vivre, il base sur la parole de Dieu lui-même. Amen. Et l'apôtre Paul pour nous. L'apôtre Paul pour nous de sa parole. Amen. Comment dans Romains 10, verset 14, on va prendre le temps ouvert, maintenant 10, 30 minutes, parce que on va prendre le temps ouvert, Romains 10, verset 14. L'apôtre Paul pour nous. Comment nous pouvons pas ramener Balsam à Christ? Comment nous autres pour connaître que Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ est sauvé? Si toi, Jésus-Christ, tu fais que tu es de la vie, tu parles de ça du monde là. Amen. Tu me sais témoigner, tu me sais dire que Jésus il fait pour toi. Alléluia. Témoignage, mon frère, il n'est pas juste joli pour écouter. Il n'est pas juste joli pour t'enlever. Et mon papa, il n'y a aucun applaudissement ce matin. L'applaudissement, il pour Jésus-Christ, tu sais. Alléluia. Parce qu'il y a souffrance derrière ça, mon frère. Il y a souffrance, il y a sacrifice derrière ça. Mais pas dessus tout, rien à l'intérieur, en chemin de la main de Dieu. Amen. C'est un témoignage. Et moi, et tout, à faire de même, pas monter, ma sœur, à faire. Parce que la Bible tient nous comme monter pour nous témoigner de Dieu. Dieu pour monter quand nous vînes dévoiler. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je passe à mon témoignage. Et en 2018, je tiens dans deux choix pour me faire de ma vie. Je tiens deux labourses, une labourse australienne et une labourse. Dans Maurice, là-même, pour ma spécialisation, parce qu'il m'a fait une guerre, je suis un abus spécialisé pour faire de Maurice. Alléluia. Et le choix est vraiment difficile. Mais me faire recours à mon homme de Dieu. Me demande la prière. Alléluia. Et gloire à Dieu, le Saint-Esprit de la vie du pasteur Aurélie, toute la gloire pour Jésus. Amen. Dans la prière, Dieu fit demain la paix pour me choisir l'île Maurice, là-même. Si je choisis l'Australie, un peuple de Dieu, je ne vais pas te là, de 2021, mais je vous finis mon et gloire à Dieu, Dieu connaît de ce moment-là. À la paix qui me ressentit là, à la paix que Dieu te place de me l'écrire, de choisir pour mourir ça même, mais tu rends le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et cette mois qui me arrive, Maurice, je vais travailler normal, je vais suivre mon cours. Je vais faire moi la grâce, me donner la joie. Me donner la joie et l'eau. Alléluia. Et après ça, cette mois-là, on va découvrir qu'elle est grossière d'une partie de mon école.
Et à aucun moment, je ne peux pas finir de douter. Je ne peux pas finir de douter. Qu'il est grave. Merci Seigneur. Allô. Amen. Merci Jésus. À aucun moment, ma frère, ma sœur, je ne peux pas douter qu'il est grave. Parce que mon ami, tu passes devant la parole de Dieu. Mais tu es déjà un enfant de Dieu. Mais tu connais que Jésus-Christ est guéri, ma frère, ma sœur. Amen. Et mon enfant, mon famille venue en juillet 2019. Mais tu as comme mon époux venu. Le frère Evans. Mais tu as avec la foi pour partir sa grossière. Mais comme on arrive devant le docteur. Docteur vient à moi. Madame, sister. Nous allons vous aller nous faire une biopsie. Amen. Et ce cas-là, à aucun moment, je ne perds confiance si c'est une maladie. À aucun moment, je ne crois, je ne doute que Jésus-Christ n'est pas vous capable sur le moment, c'est mon frère. Parce qu'il me dit, je braque dans la parole de Dieu. Amen. Et après ça, trois jours après, il m'a fait biopsie, le résultat tombé. Un collègue médecin a demandé ça même. Il téléphone moi, il dit à ma sœur, vous visez mes laboratoires. Et là, si je me donne confiance, je me l'emmène d'une tranquillité, d'une la paix. Je n'ai pas le sentiment troublé. Le sentiment d'une lampe, d'une tranquillité, d'une paisibilité. Et comme on arrive là-bas, ça lui fait la vie, tout le tellement d'une la paix. Il dit à ma sœur, vous verriez où? Vous ne pas connaître où? Vous parlez à nous pour autre? Résultat par mon sœur. Il dit à moi, ce qui finit avec vous, il dit, c'est grave, c'est un cancer. Un cancer qui finit à vous. Et il est bien grave, ce cancer-là, légèrement, ce cancer-là. Il sait ce qu'il nous appelle. Il y a un bon prognosis, c'est qu'il vient de la terre médicale, vous expliquez-vous. Vous avez un peu de chance pour sortir là-dedans. Pas chier, traitement pour moi, c'est pour vous. La médecine, légèrement, pas chier, qui traitement pour moi, c'est pour moi. Mais moi, je continue de la foi. Je continue de la foi de Jésus. Parce qu'il me dit, fini enfant de Dieu, ma sœur, ma frère. Et sa tranquillité, sa lampée, qui Dieu tu places pour me l'écrire, comme tu quittes Rodrigue là. Sa plan parfait qui me rend de promesse, comme Dieu, de plan parfait de Dieu. Ça mène la paix, qui je finis par prendre contrôle de me l'écrire, si tu as ma paix. Ma paix, Jésus, Jésus avec moi. Amen. Et mon rappel, mon médecin docteur là. Ma rabola, Lila. Mon rappel, mon médecin docteur là, mon chéri. Et nous respectons la confidentialité par le médecin aussi. Amen. Nous agir avec la sagesse. Amen. Et pour rappeler que le théâtre de ma sœur a là au résultat sur moi mes preuves. Monsieur le théâtre. Amen. Et là, maintenant, là. Et là, maintenant, là. Elle n'aimera pas encore mon avis, mais ça va pour là, n'est pas pour moi. Amen. Amen. Alléluia, parce que mon enfant de Dieu. Amen. Et mon rappel, ça lui fait la colique de moi. Mon bon Dieu, c'est la matinée. Le monde va vous comprendre, ma frère. Et lui nous connaît. Et lui nous connaît. Et moi, je suis content qu'il est pasteur, après nous parler le résultat. Je suis content qu'il est pasteur, il identifie mon nom, ça va bien. Papa, j'aime mon pasteur. Chanson sur nom hein? Et nom c'est Marie Angela. Vous capable de dire qui n'est plus encore là? Around 90-95% aux tumeurs cellules positives. 90-95% cellules tumeurs qui t'aiment les peaux. Alléluia. 15% est là pour Dieu agir le même. Et pour vous montrer où se grandir. Amen. Amen. Et jusqu'à là, je suis dans l'assurance, parce que je connais que je suis dans l'assurance. Encore que je suis un enfant de Dieu, je suis fini à accepter Jésus-Christ dans ma vie. Je me rappelle moi de sa verset de Romains 8, verset 1 qui dit, il n'y a donc maintenant, à ce moment quand vous faites ce résultat-là, aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. À cause de ça, même moi, pour un Dieu qui ne peut pas me déguer à Jésus, je ne sais pas qui est Jésus, parce que je ne sais pas connaître qui est là. Un condamnation vient pour tout. Mais ça, quand on ne sait pas Jésus, on finit gagner sous sa protection. Alléluia. Si on ne sait pas qui est Jésus, ce matin, je vais venir à nous, comme le Père Jésus. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, c'est l'assurance-là, les
tu basais l'eau pour le chien. Chapitre 2, verset 14. Alléluia, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ dit tire, il est face que l'acte de l'ordonnance, pas de tête. Qui, quand il cloue l'eau la croix, et tu finis par tout. Alléluia. Moi, je dis, oh, mais ça, il y a une ordonnance, ça. Il y a un document, ça. Tous ces chemins médicales qui ne tiennent pas contre la vie, il y a une ordonnance, c'est qui la parole de Dieu, et tiens là-dedans. Mais Jésus-Christ, par ce sacrifice de la croix, les condamne tout le monde pour aller à la chambre. Amen. Alléluia. Et, comme un homme qui est chaud là, c'est pas un homme qui est chaud, c'est l'homme. On peut faire, vous connaissez, on peut combattre la chair et le sang, mais on peut combattre pour être seul l'ennemi, c'est le diable. Amen. On ne peut pas oublier l'ennemi, là, c'est ma féminine. Sinon, on va faire travail tout le monde. Docteur veut faire ce travail, au contraire, y arriver. Qui Dieu s'est mis la main de médecin pour guérir où? Alléluia. Nous reconnaissons ça dans la vie de médecin. Alléluia. À quoi est-ce l'assurance là? Pour pas te sentir une larme troublée. Et quand une larme pas te troublée, pour pas te sentir aucun symptôme, mais tu es en bonne santé. Mais, pour que tu ajoutes, quand on commence à avoir un rendez-vous, que le docteur, on commence à trouver le cancéreux et tout le monde. Un parrain t'est tombé, t'es mort. Amen. On commence à avoir l'opinion, plus un médecin. On commence à avoir quelqu'un qui a la même téléphone pour sonner ou pour être sûr qu'il y a des messages négatifs. On est en courage, on est en courage. Tout ça là, il y a de la moche chrétien. Et on va nous regarder fixer l'autre, Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la solution. Amen. Et la personne non salatée, elle a qui peut sur la gloire. La gloire est pour Jésus. Amen. Amen. Et sa lutte là, il tient mon regard de la voix pour Dieu, parce que c'est la prière. Il tient mon regard, mon pas entendu mon Dieu, c'est comme un gars adulte. Mon temps, c'est qu'appelle la bruit du monde. Mon épitane, mon Dieu, cause avec moi. Mon épitane, la voix, mon Dieu. Alléluia. Mon âme commence à agiter devant moi. Mon commence à être une agitation de l'âme. Vous essayez de faire par mon propre la force, parce que c'est la prière. Alors, que Jésus, le Saint-Esprit, tu peux combattre pour moi. Mon égorbe, ça va. Moi, je combats pas mon propre la force. Et tiens, vous allez vous, moi là. Vous pouvez dire où ça, afin que vous ne soyez pas préparés. Un témoin qui n'a arrivé. Alléluia. On commence à consulter la science qui nous tire. Elle est affaire avec le Google, mais c'est mal fait. Pas tout qui tire. Qui nous tire à où? Google vous dire où tout ça fait qui pas bon pour les gars casse. Mais il va vous dire où la parole de Dieu qui est capable de faire pour vous. La Bible vous dire où tout. La Bible pour répondre à toutes questions. La Bible, il cause sous la parole de Dieu, il y a toute puissance. La Bible se cherche de où la vie. Alléluia. C'est la même par mon propre la force, mon propre intelligence. Moi consulté, moi m'en rendez-vous avec le père de l'aide, ma plus grand médecin des médecins dans le monde. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, moi m'en rendez-vous et ma chirurgienne, ma cancérologue, et ah là là pour moi, ça va aussi maintenant, diamant, sister, parce que ça va être traitement qui nous peut donner dans l'aide, là, il faut passer. Et de ce moment-là, pendant l'attitude qui m'enagit, on m'attristait le Saint-Esprit qui est dans moi. Comme mon manque de foi, ma sœur, ma frère, mon épitable le Saint-Esprit cause avec moi. Mon perdu, mon troublé. De ce moment-là, je connais que je parais Pierre de Matthieu 14. Jésus, j'ai dit Pierre, vini Pierre, mentionnez-le là, tu vas vous couler, toi. Amen. Et après, Pierre, tu n'as l'assurance, Pierre, tu manges le vélo. Mais quand Pierre doutait, comment moi me suis douté, Pierre, elle a dit comment se couler, va se faire frère. Là, il y a un problème, mon dos, la tête, Pierre, tout retient vague. Quand on commence à douter, là, même on commence à couler, mais tout retient un problème. Tout ça va être chrétien que tu es dans l'eau, là, avec gravité, là. Pourquoi tu trouves vraiment? Au début, pourquoi tu trouves ça? Quand l'assurance. Mais, quand on doutait, vous réattrapez, vous mettez vos couler, là. Vous trouvez comment il est grave. Amen. Vous là, vous tirez où? Garde le regard fixé au Jésus. Garde le regard, l'eau, ben, tout ceci vous pouvez trouver. Pensez qui vous tendez. Alléluia, marche pas la foi, ben, c'est ma frère. Amen. Bon témoin, on conserve vos péchés au lit. Amen. Et aussi, voilà, péchés au matière. Qu'importe qui a été, tu vas rencontrer, souffler l'eau, la vie, comme en pierre, après, tu peux battre, pas que tu peux lever. Ou maintenant, tu vas rencontrer, maladie, c'est un homme pour lever l'eau, la vie. N'a pas écouté. Le diable agit avec la technique de la vie. Il fait au propre une petite chose, mais au pas la foi et non recours à la parole de Dieu. La
parole de Dieu est la solution à tous les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et manque de foi, le doute, son résultat, mais tu peux dire la paix, tu peux dire la joie, mon rêve d'un chagrin profond. Mais tout le monde est mort, c'est un grand frère, mais tout le monde. Mais j'ai que c'est là pour que mes enfants l'auront la télé, mes jeunes, mes enfants les petits, qui c'est là qui peut occuper. Vous pouvez dire la foi, vous pouvez dire tout, mon vie d'amie. Par les mots, c'est difficile pour m'expliquer ce que tu peux passer. Alléluia. Je trouve moi plus beau, ma frère. Je finis planifier mon amour. Mais même de mon corps d'avant, mon époux, que je connais mon mot. Je planifie mon amour. Mais donc, je ne réponds mon corps d'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Et résultat, la foi et l'une de nous la vie, ma frère, il fait où? Et lui. Où il aigre, l'amertume monte dans l'âme. La peau ou les colis, bien y a bonne santé, mais quand l'âme est malade, c'est ça qui fait la maladie de l'écho. Quand vous blessez dans l'écho, on va tout l'hôpital, vous venez vous faire le pansement pour vous. Mais quand l'âme est blessée, personne n'est capable de faire sa blessure, guérir sa blessure avant de se battre. C'est aussi Jésus qui va guérir. Amen. Amen, alléluia. Et quand l'âme est écrit, dans le naturel, mais qu'imaginez-vous un l'âme, un l'écho qui écrit, un l'estomac qui aigre, la Bible lui pousse de là. Alléluia. Et quand la Bible vit dans l'estomac, les troubles du bichon. Amen. On connaît ceux qui nous révoquent, les troubles du bichon ainsi qu'elle. Mais dans le spirituel, quand tu écris, quand tu amènes, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un dans la vie, la maladie peut faire souffrir, que l'âme lui écrit. Alléluia. Que l'âme lui écrit. Et il empêche toi de trouver que Dieu a envie d'amener toi. Et voilà pour Jésus ce matin. N'a pas laissé la mer, tu montes l'os de l'équerre. Amen. Débarrasse de sa zone, sa tombe qui est vie pour Dieu. La mer, tu. Ça même plus gros qui te qui ne t'a pas servi pour enlever l'écho aux malades. Et il commence par blessure de l'âme. N'a pas laissé blesser ou pas même quelqu'un qui offense ou pardonner. Pardonner. Les qui fait de mes gars grands qui se mettent de l'équerre. Je vais causer les autres. Libère de l'équerre. Pas quand tu veux de l'équerre. Jésus appelle toi pour pardonner. Jésus appelle toi pour vivre dans l'amour, premièrement. Premier moment, quand tu veux gagner l'église, n'a pas oublié. Dieu vient appeler toi. Aime ton prochain comme toi-même. Pour prier de Dieu ça. Afin que tu libères de l'équerre plus qu'il te veut très haut. Alléluia. Parce qu'il y a fond de l'équerre la même qui est la source de la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Elle est la même comme une amie, Seigneur. Il y a même moins de sa vie, c'est là. Exode 15, verset 22. La côte du peuple de Dieu. Et tu fais sortir de l'Égypte. Pas une seule qui finit sortir de l'Égypte. Mais finit sortir de le monde, mais finit à Christ. Mais il me souvient d'un lac qui appelle Mara. Mara veut dire l'amertume. Amen. Pose ma question, mon Dieu, de sa vie, c'est là. Mais je vais comment? On va me comprendre. Comment te tiens-moi dans le monde? Tu l'amènes-moi à la lumière. Hein? Je finis à accepter Jésus, mais je suis de l'amertume qui rend mon écho aux malades. Mon papa comprend. Alléluia. Et c'est alors que Dieu posait moi de sa vie, c'est là, dit à moi. Je vous disais, élimine l'amertume qui m'a encaissé de mon vie, afin que mon écho ait guéri, mon âme qui s'est guéri. Alléluia. Dieu amène-moi dans le passé, de mon enfance que je me suis méprisé. Amen. Comme un camarade, je me suis projeté devant un groupe d'amis, je me sens souvent tout seul. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. 25 qui l'a. Pas de l'école, si ton camarade met toi à part, n'a pas sans, tu dois rejeter. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est dans ce domaine au toi. Amen. Dieu qui met toi à part. Alléluia. Mais moi, malheureusement, voilà pour me dire où ça passe dans ma Bible. Amen. L'esprit de rejet, l'esprit mérite, mépris. Alléluia. Il afflige de l'âme. Et aussi, il y a une circonstance de mon avis qui ne rend mon avis en mer sans passer les détails. Alléluia, mais voilà pour mon Dieu qui vous guérit vous devant le blessure de l'âme. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et aussi, mon Dieu va très bien. Qu'importe qui est dans la mer, moi, vous me reconnaissez comme on arrive dans mes marins, la mer tume. Dieu puis montrez-moi qui vous disait Jésus du ciel. Quelle bonne qualité de l'eau amère ou quoi dans le passé? Une séparation, un divorce. Alléluia, une guerre maltraitée. Ou parents, pas reconnus.
parents paraît connaît tout. Et comme elle fait pas un message à Dieu, fait une place de reléguer. Elle est identifiée en prison de sa place là. Dieu peut dire quand même si tu me sortis de la prison, tu as compris sans que tu es prisonnier. Tu es capable de faire prison spirituelle, tu as senti que tu es captif. Mais Jésus peut dire quand ce matin, l'hymne éternel qui te guérit, qui guérit de l'éguerre. Laisse-toi être guéri ce matin. Libère-toi dans le nom de Jésus. Qui n'a pas guéri toi, alléluia, afin que tu ne pas être frappé de quel symptôme de la maladie, comment moi me suis frappé, alléluia. Et milieu de mon message, c'est qui me passe un problème et comment me passe là avec Jésus, c'est ça qui est important. Amen. Et premièrement, me gagne un recours, la Bible dit à moi, tu me disais un recours à un ancien de l'Église. Amen. Dans Jacques, chapitre 5, verset 14. Il dit aussi indiquer les malades qui appellent les enchères de l'église. Et mon frère, il va se faire un frère. Mon sentiment encouragé. Alléluia. De l'onction d'huile. Mon passe sous l'imposition des mains. Mon petit tout ça là. Afin que si vous avez une situation aussi, vous faites pareil. Parce que moi, j'ai une solution. Amen. Moi, tant que vous avez une solution. Amen. Mon passe sous l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains, il a besoin de reconfort. Et la Bible tient de Marc, chapitre 16, verset 17. Il tient, il y a un miracle qui pourra comparer ceux qui auront cru. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais acceptez l'imposition des mains, des pasteurs, avec foi. Et moi, j'invite aussi vous faire pareil, dans le nom de Jésus-Christ seulement. Alléluia. Et aussi, comment même passer là, comment même sortir là avec Jésus. Et dans ma requête de prier qui m'a placé dans plusieurs églises, dans Maurice, et dans Rodrigue, et partout dans le monde. Alléluia. Et si même guérisse vous dit, c'est en partie, c'est ma requête de prier que je dis de placer, parce que c'est ma prière. Je ne connais pas que je peux prier pour moi, mais je dis de prier pour moi. Après, ça même me reconnaissant devant l'église ce matin, toute la gloire pour Jésus. Quand quelqu'un finit prie, quand une fille guérit, délivré dans le nom de Jésus. Alléluia. Et dans la prière qui t'aime les yeux de France. Amen. Et nous vous reconnaissons ici. Amen. La requête de prière est importante. Alléluia. Merci Seigneur. Et là aussi, va se passer comment me sortir là-dedans. Gloire à Dieu, Dieu vit dans un époux merveilleux dans la vie. Amen. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Tout la gloire pour Jésus, mon premier époux. Amen. Mais c'est mon baptême, mon frère. Il est difficile pour moi quand il est à moi. Mon n'a pas capable de faire un ordre pour toi. Si Jésus, tu sais, capable de faire pour toi. Amen. Dès ce moment-là, l'une des mamans tient mon regard au lit. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On arrêtera de la vie à Méa. Gloire à Dieu. Merci Jésus de la vie. Amen. Permets-moi même mon regard au Jésus, tu sais. Merci Seigneur. Malgré tout ce qu'il a vu, Dieu, qui me fait, qui me cite, c'est là, un frère, un frère. Mais tu sens que moi, elle est complète. Amen. Moi, j'ai tout une réunion de la délivrance dans Rodrigue et dans Maurice. Quand j'ai la convention de la dame, me délivrance. Moi-même, j'ai demandé la position des mains. Alléluia, tout la gloire pour Jésus. Tout le moment, car ça se met l'esprit là au moi. Qui l'esprit ça? L'esprit la crainte. Est-ce qu'il est possible tout le monde pour que j'ai demandé tout ça se met l'esprit là au moi? Un jour, on tient avec moi. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible tout coup de même du monde qui est devant mon mauvais corps pour moi. Là. Il n'est pas possible tout coup de me devant mon sens même l'esprit, mon devant sens même l'esprit là moi. Et moi, reconnaître que c'est à ce moment-là que je peux faire, comme on rentre de me la case. Je viens livrer dans l'église, mais rentre, comme on rentre de moi, mon sentiment pas bien. Qu'est-ce qui peut arriver de ce moment-là, comme on examine la vie, comment la peuple qui demande moi. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu. Mais tu peux fier la foi les yeux pour guérir moi. Vous délivrez-moi. Amen. Mais Dieu vient demander moi. Il est mon responsabilité pour faire l'homme l'âme. Il n'est pas responsabilité parce que pour faire l'homme l'âme. Il est où l'âme? Parce qu'il agit à la fois pour lui guérir où? Dans le champ pastoral qui le fait la vie. Alléluia. Parce qu'il va reconnaître au place. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Il vous dit à nous. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de la vie. Alléluia. Il n'est pas fini de toi de veiller de ton âme, jusqu'à tu es dans l'église. Il n'est pas fini de toi que tu rentres, tu as oublié de venir, de laisser vagabonder. Alléluia. Je comprends tout ça, les dents que tu fais avec moi. Alléluia. Tout la gloire pour Jésus. Je comprends qu'il me suffisait agir de mon âme même. Je me suffisait prendre l'autorité
C'était ma responsabilité. Puis Dieu dit, confie-moi, pour vivre quand tu es de mon trompe-là. Et c'est ça que la parole de Dieu demande aussi pareil. Amen. Merci Seigneur. Et ça même l'époque, en juillet 2019, c'est la convention pour Reno. Merci Seigneur. Le pasteur Cyril, je lui prêche un message. Au fur et à mesure qu'il y prêchait, il me sentait sans message là pour moi. Je commence pleurer, il va dire à la ferme tunnel, l'état. Alléluia. Je sentis Dieu me guérir, me léguer à travers ma versée, par l'exemple qu'il me donnait. Merci Seigneur. Et ça l'époque là, mais je commence à faire chimio. Mon père a serré l'eau, mon la tête. Mon sentiment plein, ma sœur, ma frère. Mon père a souci, mon père n'en rien. Me dépouiller physiquement, me dépouiller les vies dans mon âme. Mais ça joue là, me tu lèves Jésus, touche-moi. Me tu disposes, me les guérir, ma sœur, ma frère. Sans qu'il ou pas dispose, ou les guérir, ou dépouille de vous-même, ou n'a pas pour recevoir. À cause de ça même, nous visons sans nous les guérir. Alléluia, laisse Dieu toucher nous les cœurs. Recevoir la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Un fait libre et un guerre au résultat. Amen. Alléluia. À la fin de la prédication du bishop, pareil comme dans toute convention, le bishop lit le Saint-Moment pour le Saint-Esprit y agir. Amen. Et dans ce moment-là, le Saint-Esprit peut agir. Le bishop lit devant, ça fait une heure de nous place. Me sentir la main, il cherche moi depuis que je était dans mon place, dans le ciel. Me sentir la main, sincèrement, c'était pas la main du monde, c'était pas la main physique, mais me sentir la main invisible, sincèrement, dans ma place. Mais je suis tellement fait, parce que mon frère, je ne suis pas capable de m'avancer. Je ne suis pas capable pour ma vie devant. Je ne suis pas capable pour ma vie devant, mon frère. Mon frère. Mais ne m'escape pas pour Marie devant Dieu, devant le trône de la grâce. Et le pasteur, il demande ma leader. Et ça, c'est à la déroute. Et une seule question, le pasteur bishop, le pasteur Cyril, je demande moi. Ma fille, est-ce qu'il te croit que Jésus est capable de guérir toi? Autrefois, le pasteur dit pas dans la question. Ma fille, est-ce qu'il te croit que Jésus est capable de guérir toi? Et à chaque fois qu'il pose moi sa question, là, moi, je questionne la raison de me l'écrire. Jusqu'à me l'écrire, finalement, il dit, oh, que Jésus n'a pas guéri moi, ma sœur, ma frère. Je commence pas. Et à ce moment-là, il pose moi les mains, je me sens le chalet, dégage dessus la main. C'est de l'onction de la vie du pasteur, le Saint-Esprit financier de ma vie. Tout la gloire pour Jésus. Sous la puissance du Saint-Esprit, me recevant, me guérissant, me l'évanouir en bas. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Né de nouveau. Alléluia. L'Ikoumatia me recevant un nouveau baptême. L'Ikoumatia est relevé. Me rejette sa vieux manteau. Et tu le renvoies là. Me renaît de nouveau. Alléluia. Mon sentiment est encouragé, ma sœur, ma frère. Mon regain goût à la vie. Et qui finit arrivé de ce moment-là, on peut expliquer ce qui est arrivé. Mon crucifié, c'est qu'à peine la chair. Amen. Et mon commence à vivre selon l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu tient moi de ce parole. C'est pas contre la force que tu es capable. Tu vas regarder pour tout docteur. Mais le seul docteur qui est capable de guérir toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous la force humaine illimitée et nos poids qui nous les font capables de chiner. Alléluia. Et nos poids qui nous l'ont capables de chiner. Mais au-delà de nous la force, trois problèmes pour craser ou s'il est trop lourd. Amen. Trois problèmes pour trop lourd si vous faites au-delà de si vous capables de chiner. Alléluia. Mais Dieu de sa volonté, il n'a pas voulu qu'il vous ait écrasé vos problèmes. Dieu est un Dieu qui guérit, il n'a pas envie qu'il reste dans la maladie parce qu'il bon Dieu, il n'a pas amené la maladie dans la vie du monde. Dieu est guéri. Alléluia. À quoi ça mène, il envoie ce garçon Jésus-Christ. Amen. Il envoie ce garçon Jésus-Christ. Pour ça mène quoi là? Il dit, ah, on dépose à quoi là pour dire Jésus. Dépose au fardeau qui loue. Au fardeau qui amène à remplir de la mienne. Dépose pour dire Jésus. Amen. En échange, je prends fardeau Jésus qui léger, ben, c'est ma frère. Mon frère, amen. La foi de Jésus, c'est dans l'amour, c'est dans la paix et la joie. Alléluia. On regarde où à la vie, la foi de Dieu qui me prend en échange.
change comme un type pour le lourd. Watch with us, écoute Jésus. Amen. Vous crucifiez la chair, avant le bruit que vous entendez. Vous fermez vos oreilles. Avant l'opinion du monde. Vous fermez vos oreilles. Avant les choses qui vous éprouvent, qui vous entendez. Et vous écoutez ce que Dieu dit à mon avancé, ma prière. C'est ça qui nous appelle vivre selon l'esprit. Crucifiez la chair. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Nous appelons ça mourir à nous-mêmes. Nous mourons à nous-mêmes. Merci Jésus. On apprend à vivre selon ce qui nous appelle vivre selon l'esprit. On taise avant la voix qui peut crier vengeance de mon âme. Gloire à Dieu pour la gloire pour Jésus. Et j'ai mis ça, on guérit de mon âme. Et c'est ça qui amène la guérison de mon corps. Une âme qui est malade, c'est ça même qui est magnifique. Une âme qui n'est plus capable de chiner, c'est mon frère. Il est blessé, il n'encaisse pas tout de le passé. Quand il n'est plus capable de chiner, les ramènes qui voulaient qu'on les manifeste la maladie de toutes choses. Stress, il y a même cancer. Il y a même toutes sortes qualité de maladies qui ne vont pas vous citer parce qu'ils vont les temps limités. Amen, alléluia. Et crucifier la chair. Le psaume 127, verset 1er. La parole de Dieu dit à nous comme ça. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu n'es pas en mesure pour vivre pour Jésus. Alléluia. Je me disais mort à toi-même pour être capable de vivre Jésus. Comment vous êtes capable de dire qu'il est un disciple de Jésus? Disciple, mon papa est mort de la discipline. Alléluia. Mon papa est obéi à sa parole. Si tu es mort, mon fils renonce à moi-même. À mon intelligence. Mon intelligence, pas de servir. Non, il y a ça, les problèmes à créer. Moi, je me vois avec la guérir moi-même. Amen. Je me disais crucifier mon intelligence. Pas dans mon propre capacité. Je dépouille-moi de ça. Je dépouille-moi de la gloire. Si nous avons marché avec Jésus, crucifié à la chair là. Amen. Pas faire quelque chose pour toute la gloire. Faire quelque chose pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et Dieu qui me met dans mon lévier ce matin, vous cause pour moi-même avant, parce qu'il sache chose avec moi. Alléluia. Dieu dit à moi, vous êtes capable d'être chrétien de longue date. Alléluia. Vous êtes capable d'être chrétien de longue date. Vous êtes capable de croire de Jésus. Mais si mon père fait dépouille-moi de sa manger de vieil homme. Faut pas qu'il laisse ça le cœur de pierre, le cœur de chair. On n'a pas pu pas suivre Jésus. Alléluia. Parce que pour vivre disciple de Jésus, il n'est pas si nécessaire qu'il te croit de Jésus. Amen. Jésus a envie qu'il te vienne la nature de Dieu. Amen. Et pour te guérir la nature de Dieu, lui-même te visait crucifié de la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça qui m'apprend comme un lévé dans l'église, comme un recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Et vos pas vous de la maladie, lui aussi. En février 2020, malgré tout ce qui m'a fait passer, mon passe. Malgré tout ce qui m'a fait passer, ma sœur, ma frère, on passe par une épreuve, encore une fois, alléluia, docteur Diamant, sister, vous vous êtes opéré. Moi, je dis, Seigneur, malgré tout ce qui m'a fait vivre là, malgré la foi qui m'a fait agir, alléluia, on va amener l'opération là. Amen. Et me placer dans la prière, me demander pour encore, avant qu'il y ait l'enchaîne de l'église, alléluia. Et vous tombez dans sa verset qui dit à moi, si vous lisez à l'occasion de chute, vous tirez à l'immosité. Si vous l'amenez à l'occasion de chute, vous tirez à l'immosité avec la foi. Amen. Et ça, moi, c'est là, c'est l'occasion de chute pour mon mot. À peine un an, c'est ma prime au parti pour là. Et avec la foi, la ferme assurance, vous décidez pour m'enlever l'opération. Amen. Alléluia. Et après, vous savez, mon bouche Matikel n'a pas senti vous mépriser. Quand on peut passer une opération. Ou bien, moi, c'est la foi qui m'a dit qu'elle m'a dit, ma frère. Moi, j'ai même la foi, parce qu'il m'aime la foi, qui Dieu me place dans le pasteur, qui place de moi pour mon cause, pour mon aujourd'hui. Ça même, j'ai la foi qui Dieu dit de nous. Alléluia, ça, c'est pas moi qui tiens, c'est la Bible qui tient. Merci Seigneur. Et voilà pour Dieu ce matin. Prends courage à vos situations. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon, on ne peut pas passer les détails à cause des temps. Et après tout ça là, après que je passe par l'opération, avec un homme en paix, ma sœur, ma frère, je gagne résultat pour la gloire.
tu seulement. Alléluia. Alléluia. Et par ces Abraham, on peut nous pour identifier ça nous là. Chanso Marie Angela. No residual tumor. Laisse-la faire ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen. Mets-toi si tu as à le prier pour vous.